Bonsoir. Les sociétés humaines n'ont jamais cessé de trouver des solutions pour maîtriser l'eau, cette ressource si précieuse à la vie. Ce soir, Science Grand Format vous propose une grande enquête qui va vous emmener aux quatre coins du monde sur les traces des ingénieurs à l'origine des constructions les plus folles de notre histoire. Barrages géants, canaux interminables ou polders toujours plus grands, ces aménagements offrent des paysages bien spécifiques parmi les plus spectaculaires du monde. Avec le chercheur Frédéric Restagno, nous allons comprendre comment ces ouvrages gigantesques ont été imaginés. Dès la Grèce antique, les navigateurs cherchent à tracer les routes les plus courtes pour gagner du temps. Ce sont les premiers canaux. Au XVIe siècle, à Paris, le canal Saint-Martin est l'exemple d'une invention révolutionnaire qui permet de soulager la Seine, saturée par le transport des marchandises. L'histoire de ces ouvrages est aussi parfois synonyme de cauchemar pour les ouvriers qui les ont construits. C'est le cas, vous le verrez, du canal de Panama, avec ses conditions climatiques infernales et ses épidémies meurtrières. L'apparition des grands barrages hydroélectriques n'est pas sans conséquences sur les populations et les écosystèmes. Mais chacun de ces projets titanesques a aussi donné naissance à des prouesses technologiques qui montrent que l'imagination des hommes est sans limite. Comme par exemple les Pays-Bas, qui ont parfaitement développé leur savoir-faire dans la maîtrise de l'eau à l'échelle de tout le pays. Barrage, canaux, les maîtres de l'eau, c'est un film de Marina Boyanval et Emmanuel Sudre à découvrir tout de suite sur France 5 et sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Dompter l'eau. Une ambition que les hommes ont réalisée en édifiant des ouvrages exceptionnels. Barrages, canaux ou encore polders pour gagner d'immenses territoires sur la mer. Frédéric Restagno est physicien, spécialiste de la mécanique des fluides et chercheur au CNRS. Il y a toute la physique ici, de l'électricité, de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme, tout ici. Il va partir sur les traces d'ingénieurs dont les travaux ont marqué l'histoire. Chaque jour, il y avait un nouveau problème à résoudre. Et quand on regarde en arrière, on se dit « Waouh, on a surmonté tellement de choses !» Mais c'est comme ça qu'on apprend. Des visionnaires capables de mettre en œuvre des chantiers considérables pour se protéger de l'eau, si souvent dévastatrice. Tout a dû être inventé. Nulle part dans le monde, une structure comme celle-ci n'a été construite. Mais aussi, utiliser sa formidable puissance. Ce que Dieu n'a pas construit, les ingénieurs l'ont construit. Nous avons réalisé ce qui est possible de construire grâce à l'ingéniosité de l'être humain. Une enquête scientifique pour comprendre comment des défis techniques hors normes ont redessiné les paysages de la planète. L'histoire d'ingénieurs tenaces, devenus en quelques siècles les maîtres de l'eau. Pour remonter le sillage des premiers maîtres de l'eau, Frédéric Restagno commence son enquête en Grèce. C'est ici, à Corinthe, qu'est née il y a près de 3 millénaires l'idée de la création d'un canal d'envergure. Le canal de Corinthe. Vu du ciel, une tranchée de plus de 6 km de long. Un trait d'union entre deux mers, empreinte spectaculaire de la volonté de l'homme de maîtriser le temps. Dès que les navigateurs ont commencé à conquérir les océans, trouver les chemins maritimes les plus courts est devenu un enjeu majeur. Mais aujourd'hui encore, emprunter ces passages demeure un exercice périlleux. Frédéric Restagno participe au remorquage d'un cargo maltais de plus de 80 mètres de long. Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop!
le monstre d'acier de 900 tonnes enfin arrimé, le remorqueur peut lui faire prendre un raccourci aux parois vertigineuses. C'est vraiment impressionnant comment les falaises tombent à pic dans l'eau là. Ouais, au plus haut, ça fait 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quelle est la taille minimale qu'il y a entre les plus gros bateaux qui passent dans le canal et les bords de la falaise ici ? La largeur du canal est de 24,60 m. La distance minimale entre la paroi et la coque du bateau est de 50 cm de chaque côté. Ça arrive avec les paquebots de croisière parce qu'ils ont les plus grandes dimensions. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Vous avez l'air vraiment concentré pour vous diriger. Quels sont les risques si on n'utilise pas de remorqueur dans le canal ? Si un cargo tente d'entrer dans le canal sans remorqueur, il y a un risque que le gouvernail s'abîme. Il pourrait même se briser et empêcher le capitaine de manœuvrer. Donc les remorqueurs agissent en tant que facteur de stabilisation. Ils permettent de faciliter le passage du bateau en l'aidant à bien maintenir son cap dans l'axe du canal. Indispensable pour franchir les chenaux étroits, les remorqueurs permettent de contrer les courants forts et les vagues des canaux maritimes. Escortant les bateaux dans les deux sens, ils servent ici à passer de la mer Ionienne à la mer Égée en moins de 30 minutes, économisant au passage 10 à 14 heures de navigation. Gagner du temps, une préoccupation pour les 11 000 bateaux qui empruntent le canal de Corinthe chaque année. Un couloir rocheux creusé dans un isthme. Une fine bande de terre qui permet d'éviter un détour de 400 km pour contourner le Péloponnèse. À quel moment il y a eu cette première idée de permettre une navigation facile pour éviter d'avoir à contourner tout le Péloponnèse ? Il faut remonter très loin dans le temps. En 602 avant Jésus-Christ, Périandros, le chef de Corinthe, eut l'idée de percer l'isthme pour faire un canal. Malheureusement, l'oracle de la Pythie de Delphes le lui déconseilla. À la place, il fit construire le Diolkos, un chemin qui serpentait et qui coupait l'isthme en deux. C'était un chemin pavé et lisse. Les bateaux étaient posés sur des rondins de bois, tractés par des animaux et des esclaves, et remis à l'eau de l'autre côté. Certains historiens pensent même que ce fut le premier chemin de fer, si on peut dire. Après Périandros, Néron, l'empereur romain, reprit le projet de creuser l'isthme en 66 de notre ère. Sauf qu'il n'a pas pu le faire car il a dû retourner à Rome pour mater une mutinerie. Il a été assassiné et tout est tombé dans l'oubli. Pendant plus d'un millénaire, le projet du canal de Corinthe reste en sommeil. Mais le développement du trafic maritime et du commerce mondial au XIXe siècle vient réveiller les ambitions du peuple grec. Le gouvernement voulait que le pays se développe. Et l'ouverture du canal de Suez, en 1869, a résonné comme un signal d'alarme pour la Grèce. Le chantier a commencé en 1882 après de nombreuses études et la résolution de problèmes financiers. Une tranchée comme ça, entre le Péloponnèse et la Grèce, ça représente quel volume de terre et de cailloux arrachés ? Plus de 12 millions de mètres cubes de pierre ont été excavés ici par les 2000 ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Et c'est la première fois qu'on a utilisé de la dynamite et de la nitroglycérine sur un aussi grand projet. Mais la nitroglycérine, c'est vraiment dangereux. C'est vrai, mais ils ont pris le risque et vous pouvez voir le résultat.
Quand tout a été terminé en 1893, les gens d'ici étaient tellement fiers d'avoir mené à bien un projet aussi énorme. Ce canal était tout simplement le leur. Il y a vraiment de quoi être fier, c'est vraiment un endroit magnifique. Un canal maritime achevé en seulement 10 ans. De forme simple, le canal de Corinthe est ce qu'on appelle un canal à niveau. Il est creusé au niveau des deux mers qu'il relie et qu'il alimente constamment en eau salée. Le défi technique est bien plus grand lorsqu'il s'agit de percer des canaux fluviaux sur de longues distances. Il faut non seulement détourner fleuves et rivières pour approvisionner en eau douce ces voies artificielles, mais aussi les aménager pour s'affranchir du relief. Comment en effet faire gravir à un bateau une hauteur de plusieurs dizaines de mètres? Au XVIe siècle, une invention va révolutionner la science des canaux. L'écluse à sas. À Paris, Frédéric Restagnaud va enquêter sur ce système ingénieux. En plus de son fleuve emblématique, la Seine, depuis le XIXe siècle, la capitale compte trois canaux à écluse d'une longueur totale de 130 km. Le canal Saint-Denis, le canal de l'Ourcq et le plus court mais le plus célèbre d'entre eux, le canal Saint-Martin. Le canal a été construit pour trois objectifs. D'apporter de l'eau de bonne qualité pour les Parisiens, en déviant les eaux de la rivière d'Ourcq, donc très en amont de Paris, à une centaine de kilomètres. L'autre fonction, c'est la navigation, pour apporter des marchandises à Paris, donc du bois, bois de chauffage, bois de construction, des pierres et des céréales. La troisième fonction, c'était en même temps de créer un contournement de la Seine qui était difficilement navigable. Itinéraire alternatif pour soulager la Seine saturée par le transport de marchandises, le canal Saint-Martin est aujourd'hui devenu un monument incontournable de Paris. Un patrimoine industriel qui illustre le savoir-faire des ingénieurs du 19e siècle. Il y a quelque chose qui fait vraiment le charme du canal, c'est ses écluses. Bien sûr. Et pourquoi il a fallu construire toutes ces écluses sur le canal? Il y a une différence de niveau? Il y a une différence de niveau de 25 mètres entre le bassin de la Villette, où arrive l'eau du canal de l'Ourcq, et la Seine. Alimenté en eau par le bassin de la Villette, le canal Saint-Martin se déverse dans la Seine. Il comporte 9 écluses permettant aux bateaux de franchir dans les deux sens près de 26 mètres de dénivelé qui sépare la voie artificielle du fleuve. La chute d'eau de chacune de ces écluses, c'est de l'ordre de 3 mètres. Un étage. Un étage. Chaque écluse se comporte comme un ascenseur à bateau. Quand un bateau emprunte un bief et entre dans le sas ou chambre de l'écluse, les portes dites busquées forment un angle pointé vers l'amont, de manière à ce que la pression tende à fermer les portes et à reporter les forces sur les berges. Une fois fermé, le sas est ensuite vidangé vers l'aval, jusqu'au niveau du bief inférieur grâce aux ventelles. Des petites trappes en métal coulissantes placées sur le ventail ou porte de l'écluse. Leur rôle est de remplir ou de vider le sas, afin d'équilibrer le niveau d'eau et donc la pression de chaque côté des vantaux, pour en faciliter l'ouverture. Alors, comme on a une grande pression quand même et une grande pression fois grande surface, ça fait grande force. Alors, quels matériaux sont utilisés pour résister à de telles forces sur une écluse? Alors, c'est juste de l'acier, mais qui est dimensionné pour résister justement à cette force. Et il y a une structure alvéolaire un peu particulière, oui, c'est oui. Pour quelle raison? C'est justement pour résister à la flexion qui résulte de la poussée de l'eau sur la porte. Pour rigidifier les portes en quelque exactement. Sorte. Plutôt que de prendre une porte très massive, on bien utilise sûr. Cette structure-là qui rigidifie la structure tout en la laissant assez légère. Il faut 5 à 10 minutes au bateau pour passer chaque écluse. Et c'est à chaque fois environ 1000 mètres cubes d'eau qui sont déversés vers la Seine. Quand on fait passer de l'eau sans arrêt d'un niveau à l'autre, il n'y a pas un risque, si on puise trop d'eau parce qu'il y a trop de bateaux, de vider le bassin de la Villette? Alors le vider non, mais arriver à un niveau trop faible, oui. Alors c'est un risque qu'on suit en permanence. Ça fait partie du travail de nos éclusiers, de vérifier le niveau des biefs, puisque à chaque éclusage, on fait descendre un petit peu d'eau. On peut avoir des déséquilibres qui se produisent au niveau des biefs. Donc leur rôle, c'est aussi de procéder à cet équilibrage. En faisant des lâchures, donc en ouvrant une ou deux ventelles pour, quand il y a besoin d'amener de l'eau vers l'aval, de faire cette régulation
du niveau de chaque bief. C'est pas un simple système d'ascenseur, quoi. Il y a beaucoup de choses à penser pour être capable d'assurer la circulation. Oui, tout à fait, voilà. D'abord de taille modeste pour permettre l'irrigation, au 19e siècle, le développement de canaux d'envergure est crucial à l'échelle d'un pays pour le transport de marchandises, mais aussi à l'échelle de la planète pour réduire les distances du commerce mondial. Des ouvrages prodigieux voient alors le jour, comme le canal de Suez et le canal de Panama. À l'origine de ces projets pharaoniques, un seul et même homme, le très avisé Ferdinand de Lesseps. Alors, Ferdinand de Lesseps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'était pas un ingénieur. C'était au départ un diplomate. Et c'est à l'occasion de son séjour au Caire qu'il a découvert l'idée qui avait été élaborée bien avant lui de construire un canal pour joindre la Méditerranée et la mer Rouge. C'était un homme qui avait, un des premiers, pensé la mondialisation. Et ça, je pense que c'est plus une pensée de diplomate qu'une pensée de technicien, même si, bien sûr, il fallait ensuite que la technique soit mise en œuvre. Le chantier du canal de Suez commence en 1859. Le projet de Lesseps est ambitieux. Creuser le désert sur 162 km de long pour relier l'Europe à l'Asie sans contourner l'Afrique et le dangereux cap de Bonne-Espérance. Des dizaines de milliers de fellahs égyptiens attaquent les travaux à la main. Pelles et pioches sont remplacées quelques années plus tard par des machines de dragage. Des inventions consécutives à l'avènement de la vapeur qui diminue considérablement les besoins en main-d'œuvre. Le 17 novembre 1869, la nouvelle voie d'eau est solennellement inaugurée. Le canal suscite l'admiration du monde entier. Quant à son créateur, il achève cette aventure auréolée de succès. Ferdinand de Lesseps a atteint une gloire qu'on n'imagine absolument pas aujourd'hui. Il va s'occuper des relations internationales, de la construction de la statue de la liberté. Il va rentrer à l'Académie française, alors que, bon, en fait, c'est pas un écrivain, mais il rentre à l'Académie française. Les succès, évidemment, entraînent peut-être une surestimation de ses compétences. Et pour Lesseps, il était évident que c'était lui qui était le mieux placé pour concevoir la construction du canal de Panama. Et là, ça a été une affaire beaucoup plus compliquée. Pour retracer l'histoire cauchemardesque de la construction de ce canal, Frédéric Restagno rejoint le Panama. Ce petit pays d'Amérique centrale, bande de terre de 725 km entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, sépare l'Atlantique du Pacifique. Dans la zone la plus étroite de l'isthme, couverte par une jungle dense et humide, celui qu'on surnomme le Grand Français se lance dans l'édification de ce nouveau canal maritime interocéanique. Mais le diplomate commet un péché d'orgueil à l'origine d'un des plus grands scandales de la Troisième République. L'idée de Lesseps, c'est « Moi, j'ai construit un canal au niveau de la mer à Suez, eh bien je serai capable de faire un canal au niveau de la mer à Panama. » Ici, on avait un isthme très petit. Mais la topographie du Panama est complètement différente de celle du canal de Suez. Donc elle va s'avérer impraticable pour construire un canal à niveau. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le canal de Suez, c'est un canal maritime. Il suffisait de tracer une ligne droite, si l'on peut dire, creuser le sable en ligne droite pour aller de la Méditerranée à la mer Rouge. Aveuglé par la gloire, Ferdinand de Lesseps allait sous-estimer les difficultés climatiques, géologiques et économiques que ce nouveau projet pouvait engendrer. Et malgré les réticences de certains de ses conseillers, les travaux débutent en 1882. Cette ancienne province colombienne est à l'époque une région inconnue des ingénieurs français. En plus de découvrir une épaisse forêt tropicale noyée sous les pluies torrentielles, les ouvriers se heurtent à une difficulté majeure. Une zone montagneuse, la Culebra, qui culmine à 95 mètres au-dessus du niveau de la mer. On avait la géographie, mais pas la géologie. On pensait qu'on allait pouvoir creuser cette montagne
un petit peu comme le canal de Corinthe, hein, voilà. Or, en fait, c'est un matériau très friable. Et ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on creusait, il y avait des éboulements. Et ces éboulements étaient facilités aussi par des pluies diluviennes qui arrachaient tous les chantiers. Donc, il fallait toujours recommencer. C'était vraiment le tonneau des Danaïdes. Ce n'était pas seulement le terrain, c'était aussi les conditions climatiques des tropiques. Très humide. Un climat que les premiers colonisateurs de Panama, qui sont venus au XVIe et XVIIe siècle, qualifiaient de climat malsain, qui causait de nombreuses maladies. Par-dessus tout, la fièvre jaune qui a touché la population des travailleurs. Très vite, les ouvriers souffrent de maux inconnus. Ils travaillent en réalité dans une zone infestée de moustiques qui transmettent la fièvre jaune et le paludisme. La mort les fauche un à un sous le regard impuissant des médecins. À l'époque, ils sont loin de détenir les connaissances scientifiques pour combattre ces maladies. Un exemple, ils pensaient que mettre des bassines d'eau au pied du lit était un moyen pour que les fourmis ne puissent pas monter jusqu'au lit du malade. Mais ce qui se passait, c'est que c'est dans cette eau que se développaient des moustiques. Ce sont dans les hôpitaux où ils essayaient de combattre la maladie qu'ils ont produit le mal. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, et ça, je pense que c'était un facteur majeur dans l'échec de Ferdinand de Lesseps. Incapable d'endiguer l'épidémie, l'entrepreneur consent à revoir son projet. Épaulé par Gustave Eiffel, il adopte la solution du canal à écluse, plus adaptée aux contraintes de la région. Cette volte-face n'y changera rien. Cette année après le début du chantier, 1 milliard de francs a été englouti sans que la construction n'ait avancé. Le 4 février 1889, la société fait faillite et le scandale de Panama éclate. Pour financer les travaux, Lesseps avait fait appel à l'épargne populaire, autorisée par des députés achetés à coups de pot de vin, relayés par une presse tout aussi soudoyée. 85 000 petits porteurs sont ruinés. Ce que Lesseps envisageait comme un triomphe sur l'adversité devient une gigantesque affaire de corruption. À 88 ans, l'homme illustre est condamné et n'échappe à 5 années de prison qu'en raison de son grand âge. Le scandale de Panama, malheureusement, c'est une triste fin de vie pour Ferdinand de Lesseps. C'est que son image a été gravement détériorée et que même encore aujourd'hui, Lesseps n'est pas bien perçu, en France en tout cas. Hein. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, car au Panama, il est très bien perçu. L'héritage de Lesseps est important. Il faut reconnaître sa force, sa ténacité à l'âge qu'il avait. Quand les Américains sont arrivés, ils avaient pratiquement toutes les études en main. Ils ne sont pas partis de zéro. Tandis que les Français pansent leur plaie, les Américains sont à la manœuvre pour obtenir la mainmise sur la région. Le président Roosevelt veut le canal, qu'il voit comme la pièce maîtresse d'un futur empire mondial. Pour y parvenir, il encourage la révolution des populations locales. Le 3 novembre 1903, alors que la Colombie est en guerre civile, le Panama déclare son indépendance et les États-Unis rachètent la concession française, faisant de la zone du canal un territoire américain. Première priorité des hommes de Roosevelt, mettre un terme aux problèmes sanitaires. En 1903, avant de se lancer dans la construction, la poursuite des travaux, ils ont consacré plus d'un an à tuer tous les moustiques, si je puis dire, du Panama. Parce qu'entre-temps, on avait découvert que la fièvre jaune et le paludisme étaient dus à des moustiques. Le président des États-Unis confie alors à son armée la mission de terminer l'un des plus grands projets d'ingénierie de tous les temps. Confrontés aux mêmes difficultés géologiques que leurs prédécesseurs, les Américains reprennent l'idée avortée des Français
transformer ce canal à niveau en canal à écluse. Pour les alimenter, il crée un barrage sur le rio Chagres. Il inonde alors une bonne partie du pays et donne naissance à un immense lac artificiel, le lac Gatun. Situé à 26 mètres d'altitude, il va permettre de traverser l'isthme sans avoir à creuser la montagne et sera accessible par deux jeux d'écluses à la démesure du projet. Des portes busquées allant jusqu'à 25 mètres de haut et des sas longs de 320 mètres. Pour stabiliser les navires lors du passage, un système inédit de locomotives fait office de remorqueur. Le 15 août 1914, au terme de plus de 30 ans d'un chantier qui a emporté 27 000 hommes, les portes de cette nouvelle route interocéanique s'ouvrent. Pacifique et Atlantique sont reliés par les 77 km d'un canal considéré comme la 8e merveille du monde. Le trajet de San Francisco à New York passe de 22 500 à 9 500 km. Alors que l'Europe entre en guerre, la jeune nation américaine gagne la place de première puissance militaire et prend le contrôle de la région. Plus de 100 ans après le passage du premier bateau, le Panama est entré dans une nouvelle ère. Au terme d'âpres négociations avec les États-Unis, il a obtenu le 1er janvier 2000 la rétrocession de la zone du canal. Une forêt de gratte-ciel a poussé autour du vieux Panama, car la ville est aujourd'hui un centre financier majeur. Une réussite à laquelle le canal n'est pas étranger. Avec ses activités associées, il représente 40% de l'économie du pays. Dorénavant seul maître aux commandes, les Panaméens ont mené récemment une grande phase de travaux pour offrir au cargo un tout nouveau canal à écluse. C'est incroyable. Hello. Un projet titanesque supervisé par Ilia Marotta. Cette ingénieure panaméenne y a consacré 9 ans de sa vie. Bonjour. Bonjour. Je suis Frédéric. Ilia. C'est vraiment une responsabilité incroyable de s'occuper de cette chose gigantesque qu'est le canal de Panama. Oh oui, vraiment. Mais c'est une mission que j'ai pu accomplir grâce à de nombreuses personnes. Je ne l'ai pas faite seule, ça a été un vrai travail d'équipe. Sure. Yes. Pourquoi il y a eu besoin de fabriquer des nouvelles écluses sur le canal de Panama ? Nous avions besoin de nouvelles écluses parce que le trafic maritime s'est énormément développé et que les cargos sont devenus de plus en plus grands. Nous avions atteint nos limites. Or, il fallait que l'on puisse accueillir plus de porte-conteneurs plus grands qui ne pouvaient pas emprunter l'ancien canal. Sinon, nous allions perdre des parts de marché et notre rang de canal mondial. Vous avez choisi quelle taille d'écluse ? Cette chambre mesure 55 mètres de large et 427 mètres de long. Les plus gros cargos qu'elle peut accueillir sont longs de 366 mètres et larges de 49,50 mètres. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça veut dire qu'on peut faire rentrer une tour Eiffel dans la longueur des écluses actuellement. Oui, oui. En fait, on pourrait construire 19 tours Eiffel avec la quantité d'acier qu'on a utilisé pour renforcer ces murs en béton. 19. Donc oui, c'est plutôt un gros projet. Ouais, c'est un projet gigantesque. Ce nouveau chantier débute en janvier 2007. En réponse à la concurrence du canal de Suez, Panama se lance dans l'élargissement des chenaux de navigation, transformant la légendaire Culebra en un gigantesque champ de mines. Mais le défi le plus important réside dans la construction d'un troisième jeu d'écluses pour accueillir des navires toujours plus grands. Les nouvelles chambres en béton armé comptent 16 portes coulissantes de plus de 57 mètres de haut.
Après 9 années de travaux, Panama inaugure des écluses permettant de tripler la capacité des cargos qui peuvent désormais embarquer près de 14 000 conteneurs. Oh, et il faut que nous bougions parce que le bateau avance. C'est un peu dangereux de rester là. Ok, alors je vous suis. Qu'est-ce que vous avez mis dans le cahier des charges quand vous avez décidé de faire les nouvelles écluses ? Dans les anciennes écluses, nous avons des locomotives. Elles aident à bien positionner les cargos. Ici, on ne les utilise plus. Pourquoi ? Parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher. Les murs auraient dû être très épais et pour supporter le poids des locomotives, il aurait fallu plus d'équipement, plus de gens. Et en plus, les câbles pour tracter ces énormes cargos auraient été beaucoup trop gros. Et puis bien sûr, les portes sont très différentes. Les ingénieurs ont en effet choisi d'innover en remplaçant les portes busquées par des portes roulantes. Nous avons choisi ces portes roulantes pour plusieurs raisons. Elles peuvent être entretenues de l'intérieur, leur poids varie de 2400 à 4200 tonnes, mais les moteurs n'en entraînent que 50%. 85% de la porte flotte car elle est en partie creuse, comme un bateau. Et il n'y a pas besoin d'énormément de puissance pour la manœuvrer. La poussée d'Archimède, c'est toujours la poussée d'Archimède au fond. Yes. Le dernier enjeu de ce chantier était de préserver l'eau du lac Gatun qui alimente le canal et les écluses. Car à chaque passage, les portes-conteneurs géants chassent vers les océans pas moins de 197 millions de litres d'eau, vidant peu à peu cette indispensable réserve d'eau douce. L'eau douce, c'est vraiment une donnée cruciale pour le canal de Panama, parce que c'est aussi le lac Gatun qui alimente en eau potable les principales villes du pays. Donc, nous devons l'économiser au maximum. C'est pourquoi nous avons créé ces bassins à niveau. L'eau les remplit par gravité et nous permet d'en recycler 60%. De plus, ces nouvelles écluses utilisent 7% de moins d'eau que les anciennes. C'est juste un système de recyclage, en fait. Basé sur de la statique des fluides, vraiment simple, mais à très grande échelle. Yes. Devenir une des grandes chefs du canal de Panama, c'était un rêve d'enfant ? N'importe quel ingénieur rêverait de travailler sur un tel projet. C'est exceptionnel et tout ici est unique. Les écluses, les portes, le système physique, tout. Chaque jour, il y avait un nouveau problème à résoudre. Et quand on regarde en arrière, on se dit « Waouh, on a surmonté tellement de choses ». Mais c'est comme ça qu'on apprend et finalement, il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais. Cette prouesse technique se double d'un succès financier pour l'autorité du canal. À chaque passage, les cargos déboursent une somme colossale, entre 500 000 et 1 million de dollars. Un péage hors de prix, justifié par les économies en pétrole et en temps, piloté depuis les tours de contrôle du canal. Vous avez une vue absolument merveilleuse. Oui, c'est une belle vue. D'ici, nous contrôlons le système électronique et aussi les trois niveaux des écluses. Plus précisément, quelles informations vous avez ici ? Tous ces points, ce sont des bateaux. Ah oui, donc on peut voir vraiment dans tout le canal de Panama. Partout. Vous voyez ça ? Combien de bateaux arrivent ici chaque jour ? Aujourd'hui, nous avons 7 bateaux en transit. Et alors, c'est d'ici que vous opérez complètement toute l'ouverture des écluses ? Oui. Vous voulez essayer ? C'est vrai, je peux essayer ? Bien sûr. Ah, vas-y. Carrément. Nous ouvrons et fermons les portes seulement avec un clic. Mouse, clic. Souris et clic. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre la souris ? Oui. Si ? Vous pouvez la toucher, oui. On appuie là ? Yes. J'ai un peu peur. Vous le faites ? Non. J'y vais. Vas-y. C'est dingue. Elle commence à bouger en ce moment. C'est où ? Une couple de gens. Ah, on la voit. Oui, elle commence à se fermer. Cette porte roulante met 5 minutes à complètement se fermer. Good. No, you can.
Maintenant, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ok. Hey, vous savez quoi? Vous avez votre diplôme. Bon, je vais aller voir comment ça fait en bas. Bah, mais, merci beaucoup. Okay. Au revoir. À l'heure où 90% des échanges mondiaux de marchandises se font par voie maritime, le canal est devenu le cœur économique du Panama et l'un des centres névralgiques du commerce mondial. Mais déjà, le pays envisage un quatrième jeu d'écluses encore plus large, capable d'accueillir des cargos de plus de 400 mètres de long. Un moyen de répondre au projet de la Chine d'ouvrir un canal au Nicaragua, laissant passer des cargos de 25 000 conteneurs, mais aussi d'anticiper l'ouverture des voies arctiques, accélérées par le changement climatique. Un changement redouté ici aussi, car il menace l'alimentation en eau du lac Gatun. On a agrandi le lac Gatun, on a créé des lacs complémentaires pour faire des réserves d'eau, mais la question fondamentale, c'est la pluviosité de la zone. Et il semblerait que ces dernières années, en tout cas, il y a une diminution assez relative de la pluviosité de la zone du canal, si bien que le lac Gatun et le canal ont un niveau qui n'est pas optimum. Et il existe une certaine inquiétude sur l'avenir. L'eau, au cœur des préoccupations des hommes. Grâce à des chantiers exceptionnels, des ingénieurs ont été capables de la détourner pour créer des voies navigables qui réduisent considérablement les distances. Et en cherchant à la maîtriser, certains peuples sont même parvenus à redessiner les paysages en gagnant des territoires sur la mer. Les Vénitiens ont ainsi mis en œuvre des stratégies audacieuses pour édifier une ville qui n'aurait jamais dû exister. Venise est en effet née dans une immense lagune, constellée d'îles marécageuses. Un site hostile, précisément choisi par les Vénètes, pour échapper aux invasions barbares et s'en protéger. Aujourd'hui, c'est un trésor d'architecture, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et avec ses innombrables canaux et palais, Venise témoigne du génie humain à maîtriser l'eau. Bonjour. Bonjour, benvenuto a Venezia. C'est vraiment une ville magnifique. Pourquoi avoir choisi de construire une ville au milieu de l'eau comme ça? Vous savez, c'est un peu de la poésie de dire que Venise est construite sur l'eau. Tout ici est construit sur des îles. Il y en a 118 dans la lagune. Quand les premiers habitants sont arrivés ici, ils ont appris les techniques spécifiques pour construire des maisons sur ce terrain instable, sur un terrain boueux, très boueux. D'abord, avec la technique de la bonification et des piliers en bois, ils ont créé une base. Et en dessous, là, il y a des millions de pieux qui ont été plantés pour consolider le sol. Sous la place Saint-Marc, il y a probablement 200 à 300 000 pieux. Et quand vous marchez à travers Venise, il est possible que vous marchiez sur l'une des plus grandes forêts fossiles d'Italie. Sous nos pieds, là. Exactement. La ville reposerait sur plus de 10 millions de pieux, un tiers de la forêt des Landes. Des marécages consolidés sur lesquels les plus grands monuments de la Sérénissime ont vu le jour. Le Rialto s'appuierait à lui seul sur 12 000 pieux. Et l'église de la Salute sur plus d'un million. Une fois les fondations des palais stabilisées, les Vénitiens ont dû relever un double défi. Édifier des demeures capables de résister à l'érosion de l'eau salée, mais suffisamment légères pour ne pas s'enfoncer dans les fonds boueux. Ici, nous pouvons voir les trois pierres différentes qui sont typiques de Venise. La blanche est une sorte de marbre qui s'appelle la pierre d'Istrie. Elle est placée à la base de tous les bâtiments car elle est très solide. Au-dessus, pour alléger la structure, vous avez des briques. Ensuite, nous avons un troisième type de pierre sur laquelle nous marchons actuellement. C'est une pierre grise, le trachyte.
une pierre volcanique antidérapante. Et aussi, comme on peut le voir ici, tous les bords des canaux sont faits de pierres d'Istrie, qui réagissent très bien à l'eau et qui sont très résistantes contre les marées hautes. Ah oui, donc l'alliance entre des matériaux légers, des matériaux solides et des matériaux faiblement glissants, c'est vraiment la maîtrise de la science des matériaux à son ultime presque. Oui, c'est un très bel exemple de la manière dont Venise a maîtrisé l'eau pendant des siècles. Les Vénitiens sont vraiment des maîtres de l'eau. Des maîtres néanmoins soumis au rythme de l'eau. Plusieurs fois par an, de grandes marées, les aqua altae, submergent le cœur de la cité. L'aqua alta conditionne beaucoup la vie des Vénitiens. Quand cela arrive, tout le monde est obligé d'aller sur les passerelles. Pour les habitants qui vivent dans les maisons, c'est aussi très dangereux de vivre au rez-de-chaussée. C'est mieux de rester dans les étages. L'aqua alta est difficilement prévisible, tant ses causes sont multiples. À Venise, le phénomène de marée n'intervient que pour 20 à 30% dans le processus de l'aqua alta. Lors des marées les plus fortes, l'eau monte au maximum de 50 cm. En effet, le niveau de la mer dépend aussi de la pression atmosphérique. Les hautes pressions des anticyclones au-dessus de 1013 hectopascales appuie sur la mer qui se creuse, alors que les dépressions la font se soulever. Une grosse dépression peut ainsi faire monter l'eau jusqu'à 30 cm. Elle s'accompagne souvent de pluies importantes qui aggravent la situation. Enfin, un vent fort et constant soufflant vers la terre peut provoquer une importante élévation du niveau de l'eau, pouvant aller jusqu'à 1 mètre. Vous avez constaté qu'il y en a de plus en plus, que ça s'aggrave ? Oui. À cause des conditions climatiques, l'aqua alta est en train de s'aggraver. L'érosion et l'enfoncement de Venise sont les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Bien sûr, Venise est construite sur de la boue. Mais il y a aussi des causes anthropiques. Le pompage des nappes phréatiques a amplifié l'enfoncement de Venise. De plus en plus fréquemment, la Sérénissime vit sous la menace de la mer Adriatique. Chaque automne, les hautes eaux, toujours plus importantes, inondent la ville. La plus terrible fut sans doute l'Aqua Grande, le 4 novembre 1966. Poussée par une tempête et un fort vent de sud-est, l'eau monte à 194 cm au-dessus du niveau de référence. Cinq mille Vénitiens perdent leur habitation. L'inquiétude d'un éventuel engloutissement de Venise gagne toute la planète. Alors pour sauver la ville, l'idée d'un barrage unique au monde, le projet Mosè, voit le jour dans les années 70. Après 15 ans d'un chantier pharaonique, ce système ingénieux de portes flottantes, fixées sur le fond de la lagune, entre dans son ultime phase de travaux. Sur le port de l'Arsenal Nord, les derniers tests sont en cours pour finaliser la barrière mobile qui devrait préserver la cité. C'est vraiment impressionnant, ces grandes portes. Oui, c'est l'une des 78 portes qui serviront à protéger Venise en cas de montée des eaux. Elle mesure 20 mètres de haut et 40 mètres de long. Ah oui, on en est à quelle phase du projet maintenant ? On est presque arrivé à la fin de la réalisation du grand projet.
On a déjà installé les vannes mobiles dans les embouchures du port de Malamocco. On est en cours d'installation dans l'embouchure du port de Chioggia. Et on a complété une partie de la barrière du Lido. Un système piloté depuis un centre de contrôle. Depuis 2011, lorsqu'une inondation menace, les ordinateurs ferment virtuellement les barrières, simulant une situation d'urgence. Sur ces écrans, on voit les informations qui vont servir à l'opérateur pour décider quand il devra actionner les portes. Elles arrivent directement des embouchures et donnent l'état de chaque vanne. Il y a aussi des données de météo marine. Et donc à quel moment vous décidez de fermer une entrée ? L'État italien a défini les règles pour mettre en fonction ces portes mobiles. L'eau doit monter jusqu'à 1,10 m au-dessus du niveau de référence. Quand on décide de soulever les portes, on injecte de l'air à l'intérieur. Elles pivotent autour des charnières en se positionnant à 45 degrés. C'est l'angle de travail. Quand on doit les baisser, on injecte de l'eau à la place de l'air et elles coulent. Elles reviennent ainsi en position horizontale sur le fond. Et pourquoi on n'incline pas les portes à 90 degrés ? On ne les place pas verticalement parce qu'à 90 degrés, ce serait très difficile de les remettre sur le fond. Donc 45 degrés, c'est étudié pour qu'ensuite les portes viennent se repositionner naturellement grâce à la force de gravité. Ah, c'est vraiment malin. Il faut 30 minutes pour faire émerger les 78 vannes remplies d'air et 30 minutes supplémentaires pour les mettre au niveau de travail. Une barrière mobile prévue pour retenir jusqu'à 3 mètres de montée des eaux. Est-ce que le réchauffement climatique est pris en compte dans le projet MOSE ? Oui, le système MOSE est l'un des premiers projets que l'État italien a réalisé en prenant ce problème en considération. Ici, on a tenu compte d'une hypothèse de montée des eaux jusqu'à 60 cm dans les 100 ans. Une technologie audacieuse payée au prix fort par les Italiens. 5,5 milliards d'euros estimés, auxquels s'ajoutent des affaires de corruption. De quoi nourrir les reproches des nombreux détracteurs du projet. Ils déplorent que ce système soit sans effet sur le principal péril qui menace la ville. Chaque année, Venise s'affaisse de plusieurs millimètres au risque de disparaître. Plus au nord de l'Europe, aux Pays-Bas, c'est une nation tout entière qui a fait de la maîtrise de l'eau une spécialité. Depuis plusieurs siècles, les Néerlandais ont développé une formidable ingénierie hydraulique pour gagner d'immenses territoires sur la mer. Plus de 20% de leur pays est construit sur des sols autrefois immergés. De l'eau devenue terre, appelée polder. Pour mesurer l'ampleur de cette conquête sur l'eau, Frédéric Crestagno prend de la hauteur. Sur des centaines de kilomètres, un paysage artificiel aux contours rectilignes, entièrement façonné par l'homme, et ce depuis le Moyen Âge. Car pour créer des polders, il y a plusieurs siècles, les Néerlandais ont d'abord entouré de digues la surface à aménager, permettant d'isoler les marais asséchées. Puis ils ont planté des roseaux pour absorber l'eau, une technique qui s'est révélée insuffisante. Ils ont donc ensuite quadrillé le terrain de canaux qui, comme leur nom l'indique, permettent de canaliser l'eau drainée. Pour l'évacuer, les Néerlandais ont ensuite construit des moulins avec une vis qui pompe l'eau et qui la déverse dans un canal en amont pour rejoindre les fleuves ou la mer. Les Pays-Bas ont compté plus de 10 000 moulins pour drainer les sols. Au XXe siècle, la polderisation s'est intensifiée, jusqu'à redessiner complètement la carte du pays. Le 1er janvier 1986, une nouvelle province est née, le Flevoland. Littéralement la nouvelle terre, issue de la réunion de deux polders. D'une surface de 2500 km², c'est le plus grand polder du monde
et le plus grand projet d'assèchement jamais entrepris. Pour revivre la création de ce nouveau territoire, direction Urk. Une ancienne île de pêcheurs que la conquête de la terre sur l'eau a rattrapée. Aujourd'hui, elle est entourée de polders. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu ce phare. Mais pourtant, on n'est pas au milieu de la mer ici. Non, ce n'est plus la mer. C'est un lac appelé Isselmeer. Depuis 1932, c'est un lac, car ils ont construit la digue d'Aflaïdijk. Cela a été décidé par Cornelis Lely, car il devait créer une base scientifique pour assécher le Zuiderzee, cette ancienne baie de la mer du Nord. En 1916, à la suite d'une inondation meurtrière, Cornelis Lely obtient l'aval des populations pour construire une digue longue de 32 km. Elle transforme une baie de la mer du Nord, le Zuiderzee, en lac d'eau douce appelé Isselmeer. Un lac asséché progressivement pour créer de nouvelles terres. Une poldérisation massive rendue possible par les techniques apparues à l'ère industrielle, notamment par d'innombrables tuyaux de drainage qui permettent d'espacer considérablement les canaux. Finalement, c'est le développement des sciences qui permettent de gagner sur la mer. Oui. Sans les avancées du 19e siècle, il aurait été impossible de poldériser cette zone. Il aurait fallu des milliers de moulins à vent. Donc ils ont développé des stations de pompage alimentées par du charbon, du diesel, puis de l'électricité. C'est devenu beaucoup plus facile d'assécher cette aire sans être dépendant du vent. Et pour ça, vous êtes devenus vraiment les experts. Ici, nous disons, vous pompez ou vous coulez. Alors, vous devez faire quelque chose. Le fleuve Hollande, initialement, c'était une terre complètement vide. Comment sont venus les habitants ? Les premiers habitants étaient des agriculteurs. Beaucoup d'entre eux voulaient venir sur ces polders parce que c'est un sol très fertile. Mais le gouvernement a dit non, nous devons faire une sélection. Ils ont donc été sélectionnés. On a regardé s'ils étaient de bons agriculteurs. Ils devaient être allés dans une école agricole, par exemple. Ils devaient être mariés, car quand un agriculteur est seul, c'est difficile de tout gérer. Vous avez besoin d'une femme pour travailler avec vous. Ils devaient avoir de l'argent, et plus ils avaient d'argent, plus la ferme était grande. Et il devait être un membre actif de la société pour être préparé à construire la nouvelle société dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau pays. C'est complètement fou. Oui. Au Fleuve Hollande, ils pensent qu'ils ont toujours l'esprit des pionniers. Pionniers ? J'adore ce mot. Ça me fait penser aux États-Unis, au Far West. Ici, vous avez vraiment gagné de la terre sur la mer. Oui. Depuis le Moyen Âge, les Néerlandais ont pris à l'eau une surface de 220 000 hectares. Une conquête qui n'est pas sans conséquences. Un tiers du pays se trouve au-dessous du niveau de la mer et 60% de la population vit dans des zones inondables. En 1953, une tempête dévastatrice allait définitivement changer le visage du pays. Le 1er février, une très forte marée doublée d'une dépression et de vents rugissants à 150 km/h dresse la mer du Nord contre les digues avec une pression phénoménale. Au milieu de la nuit, dans le sud du pays, 89 barrières se brisent et laissent engouffrer 4,50 m d'eau glacée sur 200 000 hectares. Le bilan est dramatique. 47 000 bâtiments détruits. Des dizaines de milliers d'animaux noyés et surtout 1835 morts. Une tragédie sans précédent qui décide les Pays-Bas à entreprendre le plus grand chantier de génie civil de tous les temps, le plan Delta. Pendant plus de 30 ans, ce projet prévoit la construction des remparts les plus puissants jamais imaginés, des digues et des barrages invulnérables pour verrouiller quasiment tous les bras de mer et les embouchures des fleuves au sud du territoire. Près de Rotterdam se trouve la pièce maîtresse du plan Delta.
le barrage anti-tempête de l'Escaut oriental. Achevée après 10 ans de travaux d'une grande complexité, cette barrière innovante court sur plusieurs kilomètres. On a une vue magnifique d'ici. En effet, c'est le côté du barrage qui sert de rempart entre la mer du Nord et l'Oosterschelde. La longueur du barrage entre les deux îles est de 9 km. D'ici, nous pouvons voir 16 portes et en tout, il y en a 62. Des dizaines de portes d'acier larges de 42 mètres et épaisses de 5,50 m permettent à la fois de laisser passer les forts courants de la mer du Nord et d'y résister lorsque les éléments se déchaînent. Construire un tel barrage, ça demande, j'imagine, de nombreuses innovations. Oui, tout. Tout a dû être inventé. Nulle part dans le monde, une structure comme celle-ci n'a été construite. Parce qu'à l'origine, le design du plan Delta prévoyait la construction d'un barrage classique. Un barrage fermé qu'ils ont commencé en 1974. Cependant, quand ils ont débuté les plans, les environnementalistes et les pêcheurs ont protesté, car les parcelles d'huîtres et de moules ne survivraient pas. Cela aurait aussi été un désastre pour les plantes et d'autres organismes vivants. Donc ils ont arrêté la procédure et notre gouvernement a ensuite décidé de construire un barrage ouvert à la place. Les ingénieurs ont donc dû inventer un barrage totalement inédit, capable de supporter un débit de 2 mètres cubes d'eau par seconde. Ils ont lesté sur le fond 65 énormes piliers en béton qui pèsent chacun 18 000 tonnes. Entre chacun d'eux, des portes en acier coulissante. Elles sont actionnées depuis la salle de contrôle dès que l'eau atteint 3 mètres au-dessus du niveau de référence. Il faut alors 75 minutes pour boucler entièrement ce bras de la mer du Nord. Il y a aussi un système de fermeture d'urgence. Si notre personnel n'appuie pas sur le bouton, ou s'il n'était pas en capacité de venir, ou encore s'il prenait une mauvaise décision, ce système fermerait automatiquement le barrage. Depuis sa mise en fonctionnement en 1986, ce barrage anti-tempête a été fermé à 26 reprises, à la suite d'alertes au ras de marée. On voit deux lignes rouges là sur la pile du pont. Ça signifie quoi exactement ? La ligne la plus basse est le niveau de fermeture du barrage. Si l'eau atteint ce niveau, le barrage se fermera. La ligne du dessus montre le niveau de l'eau pendant la tempête de 1953. Les gens ici, ils ont encore peur d'une inondation ? Les gens qui ont réellement vécu la catastrophe naturelle appréhendent toujours quand il y a une tempête. Mais ce n'est qu'une petite partie des gens qui ont vécu cette inondation. La plupart se sentent en sécurité derrière le barrage. Avec le plan Delta, les Pays-Bas sont devenus l'un des territoires côtiers les plus sûrs au monde, grâce à ses innombrables digues et plus récemment ses barrages mobiles. Au fil des siècles, les Néerlandais sont devenus les spécialistes de la maîtrise de l'eau. L'expertise des 2500 entreprises et laboratoires qui travaillent sur la question est reconnue dans le monde entier. À Delft, Frédéric Restagno, spécialiste de la mécanique des fluides, se rend dans l'un des plus importants centres de recherche hydraulique du pays pour y découvrir les travaux menés par ses confrères néerlandais qui élaborent des protections côtières toujours plus performantes. C'est vraiment grand ? Oui, c'est grand. Ça fait 75 mètres de long sur presque 9 mètres de large. Dans ce type de bassin à vagues, nous faisons des recherches sur les digues, les ports, des barrières anti-tempête, comme le projet MOSEE à Venise. Il a été testé dans ces installations. Et ce bassin, ici, il a quelle particularité ? Là, c'est le bassin Atlantique, où nous pouvons générer non seulement des vagues, mais aussi des courants. Donc, nous avons des vagues de ce côté, et nous avons des courants aussi de l'autre côté. Et c'est très important. Si vous avez, par exemple, des matériaux qui ont été cassés par les vagues,
et transportée par le courant. Nous avons un projet européen pour lequel les universités et les chercheurs d'autres pays peuvent candidater pour faire des tests dans ces installations. J'adorerais vous dire faire des expériences ici, en tout cas. Oui, je peux imaginer ça. Vous êtes plus que le bienvenu pour venir faire des recherches ici. Je vais y penser, merci beaucoup. Des expériences ayant toutes pour objet un élément imprévisible, l'eau. Afin de simuler ses comportements et récolter des données exactes, chaque bassin est équipé d'un ou de plusieurs générateurs de houle. Les vagues, là, elles n'ont pas une forme très régulière. Ah non, c'est comme dans la réalité. Les vagues ne sont pas toutes les mêmes. Quand vous observez une tempête, par exemple, vous avez des vagues plus hautes et des vagues plus basses. Vous avez aussi des vagues plus longues et des vagues plus courtes. Ça dépend où nous nous situons dans le monde. La fréquence des vagues peut être différente. Donc nous savons comment programmer cela avec le générateur de vagues. Et ça, c'est essentiel. Un outil qui permet d'étudier la résistance des digues sur le long terme, mais aussi en cas de situation extrême. Pour les analyser, les chercheurs ont construit un canal de 300 mètres de long. Une distance nécessaire pour reproduire la formation graduelle des ondes capable de provoquer des vagues de 4,50 m. Des bassins géants également indispensables pour étudier à grande échelle les protections côtières, de plus en plus menacées. Il y a une augmentation de la demande liée au réchauffement climatique ? Bien sûr, c'est l'un des aspects que nous prenons en compte dans chaque projet. Nous devons construire des digues que nous pouvons facilement adapter si le niveau de l'eau monte plus haut que ce à quoi nous attendons aujourd'hui. Parce que si nos attentes sont fausses et que ce n'est pas un mètre, mais deux ou trois mètres, on doit toujours être capable d'adapter la structure à la variation et à l'augmentation du niveau de la mer. J'imagine qu'ici en Hollande, c'est particulièrement important de faire de tels essais. Oui, aux Pays-Bas, c'est très important d'avoir des installations comme celle-ci pour faire des recherches. Car si nous commettons une erreur, les conséquences sont bien plus importantes ici que dans un autre pays. Des risques croissants qui ont conduit le gouvernement néerlandais à lancer en 2015 un nouveau plan Delta pour renforcer et rehausser une bonne partie des digues du pays. Il prévoit en effet une élévation du niveau de la mer de 65 à 130 cm en 2100 et jusqu'à 4 mètres en 2200. Aggravé par l'affaissement des sols et l'érosion importante des côtes. Alors, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, de plus en plus, les ingénieurs utilisent la formidable puissance de l'eau. Grâce à d'impressionnants barrages hydroélectriques, ils produisent presque la totalité des énergies renouvelables de la planète. Près de 80%, loin devant l'éolien 12%, la biomasse 7% et le solaire 3%. Dénommée la houille blanche, à la fin du 19e siècle, l'hydroélectricité connaît son âge d'or en France après la Seconde Guerre mondiale, contribuant à la reconstruction et à l'indépendance énergétique du pays. L'un des plus importants barrages de l'époque en Europe, celui de Génicia, inauguré sur le Rhône en 1947, met définitivement un terme aux coupures d'électricité dans Paris. Et voici les trois éléments essentiels de toute installation hydroélectrique. La conduite forcée, énorme tuyau qui amène l'eau à la turbine. La turbine, que cette eau fait tourner comme une roue de moulin. L'alternateur, entraîné par la turbine, qui transforme l'énergie mécanique en courant électrique. Au XXe siècle, 70 barrages dans 14 pays du monde sont l'œuvre d'un brillant ingénieur français, André Coyne, maître incontesté des barrages voûtes. Sa créativité a inspiré des générations de constructeurs. La caractéristique d'André Coyne, c'était qu'il voulait expérimenter, mesurer, calculer le mieux possible. Et donc, il a innové dans plusieurs dimensions. Il a innové, par exemple, dans les évacuateurs de crues.
quand il y a des crues, il faut éviter que ces débits considérables n'abîment le pied du barrage. Et donc, il a inventé ce qu'on a appelé le saut de ski, qui projette l'eau très loin à un endroit où les dégâts qu'elle fait n'ont plus de conséquences. Il a inventé les premières mesures mises dans le béton. Et grâce aux premières idées de calcul qu'il a développées, on a pu aller plus loin dans l'élaboration des barrages voûtes. Et en plus, il demandait que ce soit beau. André Cohen avait l'idée permanente que la nature s'imposait. On ne s'impose pas à la nature, on fait un geste finalement assez immodeste en barrant une rivière, et il faut la comprendre. Il supposait qu'on doit avoir une sorte d'empathie, d'une part avec le rocher, avec la rivière, avec le béton, avec la terre, et donc se mettre à la place de la nature, c'est pas du tout une façon d'être arrogant face à la nature, c'est une question au contraire de s'y soumettre complètement. Si Cohen s'est illustré avec des barrages voûtes, souvent édifiés dans des zones escarpées, il existe d'autres types de barrages placés au fil des fleuves et rivières, comme les barrages poids. Tous ont un point commun. Pour les construire, les ingénieurs doivent interrompre le cours naturel de l'eau. Pour bâtir un tel ouvrage, il faut d'abord assécher la zone choisie pour sa construction. Le cours d'eau doit donc être dévié dans les berges grâce à un canal provisoire, ou dans des zones plus escarpées, grâce à d'immenses tunnels de dérivation. Les roches excavées servent ensuite à construire les bâtards d'eau, des digues et des barrages temporaires qui permettent d'assécher la zone. Une fois le lit du cours d'eau au sec, les travaux d'excavation commencent. On s'assure de la solidité du support grâce à des études poussées et on remplace par du béton haute résistance tous les terrains impropres à recevoir les fondations. Une fois le chantier terminé, les bâtards d'eau sont détruits pour mettre en eau le barrage et créer son vaste réservoir. En France, les Alpes concentrent le plus grand nombre de barrages du pays, plus de 120. Parmi eux, un barrage voûte construit par André Cohen, le barrage de Tignes. Culminant à plus de 180 mètres, cet ouvrage est le plus haut de l'Hexagone. Mais sa construction, entamée en 1941, a demandé le sacrifice d'un village entier. Tignes est condamné, Tignes vit ses derniers jours. L'ordre d'évacuation a été affiché et chacun a reçu l'avis personnel qui lui enjoint de partir. Déjà, la force armée est sur les lieux. Mais Tignes ne veut pas mourir, les Tignards veulent rester. Les Tignards n'auront cependant pas gain de cause. Car à la place de Tignes, le lac de barrage doit servir à produire un quart de l'énergie hydraulique de la France. Au terme de 12 ans de travaux, les eaux de l'Isère, temporairement détournées, inondent le village. Près de 70 ans après le traumatisme, les Tignards ont investi leur nouveau village et le barrage et le réservoir sont toujours en activité. Pour percer les secrets de ce barrage vertigineux, Frédéric Crestagno rejoint le responsable du site. Marc Jacomine est en charge de la production hydraulique qui alimente en électricité près de 340 000 personnes en Savoie. Waouh ! On a une belle vue là quand même. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est superbe. Pourquoi a-t-on construit le barrage à cet endroit au prix de déplacer un village entier ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des sites très rares en France. C'est une cuvette qui est quand même relativement intéressante, avec un resserrement de la vallée suffisant qui permet la construction d'un barrage de ce type. En fait, le barrage, là, crée un véritable lac artificiel. Ça représente quel volume d'eau ? 235 millions de mètres cubes d'eau. Ça représente l'équivalent de 80 000 piscines olympiques. Ah oui, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, c'est énorme.
Bon, tout ça, c'est pas fait pour faire un lac, c'est fait pour faire de l'électricité. Oui, tout ça, en fait, c'est une réserve d'énergie. De l'énergie potentielle de pesanteur, pour parler comme un physicien. Exactement. Et ça, il faut en faire de l'électricité. Alors, comment ça se fait, cette production d'électricité, ici? Donc, l'eau, elle est guidée vers la première centrale hydraulique par l'intermédiaire d'une galerie et d'une conduite forcée. Une eau qui arrive dans la vallée avec une pression énorme, 75 bars, permettant de produire pas moins de 400 mégawatts d'électricité, la moitié d'un réacteur nucléaire. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on produit beaucoup d'électricité et que c'est renouvelable. Bah, c'est un système vert, hein. C'est quand même la première énergie décarbonée, c'est important. Un barrage règle aussi un problème inhérent à l'énergie électrique, le stockage. À condition qu'il soit rempli, un réservoir devient ainsi un énorme stock d'énergie utilisable à la demande. Elle est quand même jolie, votre batterie sans lithium. Elle est jolie. Hein. Une pile géante sous haute surveillance. Oula, 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 oula. Il faut m'aider là, parce que c'est pas les manips comme je fais au labo, moi. Ça fait combien de marches, là? Plus de 700 marches. Waouh! Ah ouais, là, on les voit bien, les 180 mètres de descente. Bah oui, ça représente l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. Ouais, faut les descendre, quoi. À l'intérieur de cette galerie, on trouve des instruments de mesure qui permettent, une fois de plus, de contrôler le comportement du barrage. Alors, comment ça fonctionne? C'est le principe du fil à plomb. Donc, on a un câble en acier accroché au sommet du barrage. En fait, on va mesurer la position du barrage par rapport à la verticalité qui est représentée par le fil. Et pourquoi ça bouge? Un barrage, c'est vivant. Donc, en fonction du remplissage de la retenue, en fonction de la température, du soleil qui peut taper sur la voûte du barrage, le barrage, il va bouger de quelques centimètres, 1, 2, 3 centimètres maximum. C'est quand même très impressionnant de penser que cette structure, elle bouge de 2 centimètres. Oui, mais par rapport à la hauteur, donc ça reste faible. Les mouvements sont connus, donc ça ne nous pose pas de problème particulier. Mais les contrôles ne se limitent pas au mouvement du barrage. Les techniciens relèvent aussi des mesures plus profondément dans la partie rocheuse sur laquelle repose la voûte. On vient de passer devant des tuyaux et là, il y a de l'eau qui ruisselle, qui coule de partout. Il faut s'inquiéter ou tout est sous contrôle? Non, tout est normal. Parce qu'en fait, ce qu'on vient passer, c'est l'eau du réseau de drainage. Donc en fait, dans la roche, il y a des micro-fissures et l'eau, elle s'infiltre par rapport à la hauteur du lac. Donc nous, notre souci, c'est de mesurer la quantité d'eau qui s'infiltre dans ces petites fissures. Donc l'idée, c'est toujours de surveiller que la pression ne se met pas à augmenter, parce que ça crée un genre d'explosion. Voilà, nous, il ne faut pas que ça augmente. Et en fait, quand il y a de l'eau, au niveau du réseau de drainage, ou quand il y a de l'eau comme aujourd'hui, on est rassuré, parce que ça veut dire que le barrage est drainé correctement. D'accord. Et si on continue cette galerie, on va se retrouver où? Si on continue cette galerie, on va se retrouver au pied du barrage de Tignes. C'est encore plus impressionnant quand on est là. Ah oui, là, on voit vraiment la hauteur et on ressent vraiment les 180 mètres de haut. Quel est l'intérêt de la voûte par rapport à la transmission des forces du barrage? L'avantage, c'est que le poids de l'eau donc, il a tendance à pousser l'ouvrage. Et le fait que le barrage soit voûté, les efforts ils se reportent sur les berges. Il y a 235 millions de mètres cubes qui sont retenus par ce barrage. On espère que la gestion des forces se fait bien sur un système comme ça. Oui, il y a 235 millions de mètres cubes, mais ce n'est pas le nombre de mètres cubes qui représente la pression. La pression, elle est due à la hauteur d'eau et pas au volume d'eau. Car même s'il y avait des centaines de kilomètres d'eau derrière ce barrage, il n'y aurait pas plus de pression sur la voûte. C'est la hauteur d'eau, ici 180 mètres, qui détermine la pression. Un bar équivalent à 10 mètres d'eau. Au pied du barrage, la pression est considérable, 18 bars. Le rôle de la géologie est essentiel dans un système comme ceci, et c'est parce qu'on a ici une géologie particulière à Tignes qu'on a pu construire ce barrage. La phase d'étude la plus importante, justement, c'est l'analyse de cette géologie
pour pouvoir déterminer le type de barrage à construire. La qualité de la roche est primordiale pour construire un barrage. Et au moment de la première mise en eau, il n'est pas un concepteur, même André Coyne, qui ait vécu dans la sérénité le dernier mètre de remplissage. Car de tous les ouvrages construits de main d'homme, disait l'ingénieur, les barrages sont les plus meurtriers. Une sentence prémonitoire. En 1954, André Coyne achève le barrage voûte de Malpassé. Réservoir d'eau permettant d'irriguer les cultures de Fréjus, il fut construit dans la vallée du Réran, un torrent sec l'été et en crue l'hiver. Pendant plusieurs années, on a attendu que l'eau arrive pour le remplir totalement. 55, 56, 57, etc. Et il n'y a pas eu de contrôle, il n'y avait personne sur place. Comme il n'y a pas d'usine, puisque c'est uniquement pour avoir de l'eau, il n'y avait pas de surveillance. Pourtant, il y a eu quelques alertes, des bruits, de l'eau qui sourdait à certains endroits. La rive gauche, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du rocher. Vous savez que le rocher n'est pas étanche, il y a des fissures, il y a des failles. Et le 2 décembre 1959, le barrage s'est rompu. Vers 21h, une vague de 40 mètres de haut s'engouffre dans la vallée étroite, à la vitesse de 70 km/h. Balayant tout sur son passage, elle déferle sur Fréjus 20 minutes plus tard, avant de se jeter dans la mer. Le bilan est catastrophique, plus de 423 victimes. La France est sous le choc. André Coyne assume l'entière responsabilité du drame. C'était une consternation absolue. Lui-même l'a vécu absolument dans l'horreur. Il est mort 7 mois après. Il avait déjà un cancer. Mais on peut dire que la fin de sa vie était d'une horrible tristesse. Par rapport à ce qu'il avait toujours dit, respecter la nature, écouter, etc., ausculter, c'est un déchirement absolu. André Coyne n'eut pas le temps de connaître l'issue de plus de 10 ans d'enquête et d'un procès qui l'innocenta, concluant à une catastrophe imprévisible de la nature, due à la méconnaissance du comportement de la roche. Quand on l'a tout vérifié, il n'y avait pas une seule faute de calcul. Et donc, en fait, on l'a dit, la voûte était bien dessinée, c'était pas de la faute de la voûte, c'était de la faute de la géologie. Et Malpassé a été une espèce de révision pour tous les ingénieurs du monde, en se disant... Nous ne comprenons pas bien ce qui se passe dans la roche. Alors, il y a quelque chose qu'on a appris, c'est que le rocher doit se drainer. On doit mettre des galeries, on doit mettre des forages pour rabattre la pression, que la pression ne se déplace pas à l'intérieur du rocher. L'apprentissage du drainage et de la mécanique des roches date de Malpassé. Bon, mais ça n'empêche pas que c'était un drame affreux. La plus grande catastrophe de l'ingénierie civile du XXe siècle a considérablement amélioré la sécurité des barrages. Comme à Tignes, tous sont maintenant équipés de systèmes de drainage. La sécurité, une donnée essentielle pour construire des ouvrages encore plus grands, tant le potentiel énergétique est immense. L'eau. Un atout qu'exploite l'Amérique du Sud, et plus particulièrement le Paraguay, qui fait partie de l'un des rares pays au monde 100% hydroélectrique. Frédéric Restagno rejoint ce petit État, enserré entre l'Argentine, la Bolivie et le Brésil. Sans accès à la mer, le pays est cependant traversé par l'un des fleuves les plus importants d'Amérique latine, le fleuve Paraná, frontière naturelle entre le Brésil et le Paraguay. Alimenté par de multiples cascades, comme celle de Saltos del Monday, il draine des milliers de cubes d'eau avec une puissance inégalée. À quelques kilomètres de là, cette richesse a permis au Paraguay et au Brésil de construire main dans la main un barrage binational, celui d'Itaipu. La centrale hydroélectrique la plus puissante au monde est l'un des plus grands barrages de la planète.
C'est vraiment incroyable cet endroit. C'est gigantesque. Ça fait quelle taille exactement ? Le barrage mesure près de 7,5 km. Sa hauteur totale est de 225 mètres. 225 mètres. Au-dessus du niveau de la mer, exactement. Et la hauteur de la chute d'eau ? La hauteur de chute est de 120 mètres. L'eau arrive dans chaque turbine, produisant chacune 700 mégawatts. Donc ça veut dire que chacune des turbines, ça a à peu près la même puissance qu'un réacteur nucléaire. Itaipu Binational a une capacité de 14 000 mégawatts. Si on compare avec une centrale nucléaire de 1000 MW de production, cela équivaut donc à 14 centrales nucléaires. Oui, c'est vraiment incroyable. Un monstre qui fournit près de 90% de l'électricité consommée au Paraguay et 15% de l'électricité de son voisin brésilien, grâce à une architecture et un emplacement parfaitement étudiés par les ingénieurs. Le barrage d'Itaipu, c'est quel type de barrage en fait ? C'est un barrage poids qui est construit sur de la roche basaltique très solide, la même que celle qui longe le fleuve. Il a été construit dans un canyon, celui du fleuve Paraná. Et ce lieu où a été construite la centrale d'Itaipu a été choisi par les ingénieurs de l'époque, car c'était l'endroit où il était possible d'obtenir la plus grosse capacité d'énergie électrique grâce au débit d'eau qui afflue vers la centrale. Ils ont ainsi obtenu la meilleure productivité possible. Ouais, donc c'est un mélange de flux d'eau et de géologie qui permet de faire que cet endroit-là, c'est un endroit optimum. Oui. Après des accords historiques entre Paraguay et Brésil, l'entreprise Itaipu Binational est créée pour mener le plus grand chantier que l'Amérique latine n'ait jamais connu. Les travaux commencent en 1974 avec l'excavation de 22 millions de mètres cubes de roche pour préparer un chantier qui va mobiliser des équipes brésiliennes et paraguayennes pendant plus de 15 ans. Pour construire un barrage comme ça, il faut vraiment être un maître de l'eau. Mais quels sont les défis techniques qu'il a fallu relever pour fabriquer le barrage d'Itaipu ? Nous avons rencontré plusieurs difficultés à l'époque, parce qu'ici où nous sommes, ce n'était que de la forêt vierge. Il n'y avait pas de route d'accès, et le nombre d'ouvriers qui devaient travailler pendant la construction dépassait les 40 000. 40 000 ? Il était donc nécessaire de construire des villes entières, avec des hôpitaux, des supermarchés, des écoles. On a dû aussi construire des routes d'accès, des routes énormes capables d'accueillir des équipements de plus de 10, 15 ou 25 tonnes pour être livrés et assemblés dans la centrale. Une autre grande difficulté a été la déviation du fleuve Paraná. Un canal de dérivation a été créé pour pouvoir construire le barrage sur le lit asséché du fleuve. Plus tard, ce canal a été dynamité pour que le fleuve Paraná retrouve son cours normal et un deuxième canal a été creusé pour continuer les travaux du barrage. Trois ans après le début des travaux, Brésiliens et Paraguayens achèvent le plus grand canal de dérivation jamais édifié. Les batardeaux sont alors mis en place pour assécher le lit du Paraná et entreprendre la construction du barrage. Terminé en 1991, l'ouvrage forme alors un gigantesque réservoir de 1350 km². Mais ce barrage incroyable a exigé des sacrifices à sa hauteur. Pour créer son lac de retenue, les autorités ont déplacé 10 000 familles et noyé la forêt tropicale sous 100 mètres d'eau. Premier site de construction de barrage avec un plan de sauvetage des animaux, l'endroit est aujourd'hui classé réserve de biosphère de l'UNESCO. Et quel a été le sentiment des gens quand le barrage a été terminé ? Parce que c'est vraiment extraordinaire cet endroit. Vraiment, une fois que la centrale a été terminée, ça nous a tous rendus très fiers, Paraguayens et Brésiliens.
nous avons réalisé ce qui est possible de construire grâce à l'ingéniosité de l'être humain. Et comme on dit ici en plaisantant, ce que Dieu n'a pas construit, les ingénieurs l'ont construit. Des ingénieurs qui ont édifié cet ouvrage démesuré, précisément sur une frontière naturelle, le fleuve Paraná. So, the Brazil is here in the middle. Okay. Oui, exactement. Et il y a une ligne imaginaire qui sépare l'usine en deux parties. Une usine et un barrage reposant sur des fondations exceptionnellement résistantes, capables de retenir 29 millions de mètres cubes d'eau. Ah ouais, c'est gigantesque. Impressionnant, oui, vraiment impressionnant. Et donc là, c'est le fond de la rivière Paraná, on est vraiment sur le lit de la rivière ? Oui, c'est ça. Ce sont les fondations, réellement la base, au niveau le plus bas du barrage principal. Comme vous pouvez le voir ici, toute cette roche, cette pierre, date de l'époque de la construction. C'est le basalte si dur qui est important pour le barrage de Itaipu. Oui, absolument. Alors, en fait, ici, le barrage, il est juste posé sur la roche ? Oui, concrètement, oui. Seulement la solidité du barrage repose sur 81 milliards de tonnes de béton armé. C'est un poids impressionnant. Moi, je suis vraiment impressionné parce que, en fait, je suis un spécialiste des frottements et voir que les frottements ici, c'est uniquement ce qui permet de tenir ce barrage énorme, c'est dingue. Pour économiser du béton et ne pas alourdir outre mesure l'ouvrage, qui pourrait abîmer le fond du fleuve, les constructeurs ont dessiné un barrage creux soutenu par des contreforts. Une architecture qui redirige les forces vers le fond et qui, grâce à sa base plus large, permet de mieux supporter l'énorme pression de l'eau. Le barrage ainsi stabilisé, les ingénieurs l'ont équipé de 20 gigantesques conduites forcées, créant une hauteur de chute de près de 120 mètres qui déverse directement dans chaque turbine 700 mètres cubes d'eau par seconde. Une électricité produite au pied de l'ouvrage dans la plus importante usine hydroélectrique au monde. Oh, c'est gigantesque ici! C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ici, nous sommes dans la grande salle des machines. Et c'est en dessous de tous ces couvercles de couleur rouge que se trouvent tous les générateurs. C'est vraiment fou de penser qu'ici, on utilise un principe simple de physique qui est la dynamo, mais dans des dimensions absolument gigantesques. Oui. Il y a toute la physique ici, de l'électricité, de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme, tout ici. Pratiquement tout. Ici, on applique pratiquement toutes les sciences de l'ingénierie. Des sciences qui ont donné naissance à des ouvrages susceptibles de canaliser la formidable puissance de l'eau, à l'image des gigantesques déversoirs en saut à ski du barrage d'Itaipu. Faisons attention, allons-y doucement parce que c'est un endroit un peu dangereux. On va pouvoir apprécier la vue un petit instant. Bon, je vous suis, mais j'ai un peu peur quand même. Ici, sur ce déversoir, passe 740 mètres cubes d'eau par seconde. Pour vous donner une idée, c'est près de 70% du débit du fleuve Iguaçu, qui est le fleuve qui alimente les chutes d'Iguaçu, connues dans le monde entier. C'est vraiment fou de sentir la puissance de l'eau juste en la regardant. Une énergie renouvelable qui, grâce à un seul fleuve, permet de satisfaire les besoins de près de 40 millions de personnes. Mais en dépit de leur capacité à fournir une énergie propre, les barrages toujours plus grands impliquent des sacrifices. Populations déplacées, régimes hydrologiques et écosystèmes de l'eau modifiés.
dire qu'on va faire un barrage sans conséquence sur l'environnement, c'est absurde, dans la mesure où, par essence, on veut modifier l'environnement pour créer une chute d'eau et trouver de l'énergie renouvelable. Quel que soit le prix que nous a coûté la construction de ce barrage, incluant la modification de l'environnement, je peux vous assurer qu'il est compensé par les avantages. En commençant par l'énorme quantité d'énergie produite qui est propre. Et si nous regardons ce que vous devez faire pour créer la même quantité d'énergie, notre calcul est d'environ 500 000 barils de pétrole par jour. La production d'Itaipu nous permet d'éviter la création d'environ 85 millions de tonnes de CO2. Maîtriser l'eau, c'est d'abord l'utiliser le mieux possible. Mais c'est pas la maîtriser, c'est vraiment comprendre le cycle de l'eau, le traiter le mieux possible et ne pas la gâcher à aucun moment.